Un discours, c'était au lycée. Madame Steinberg m'avait mis un « c'est moi ». Eh bien, Madame Steinberg serait fière de toi aujourd'hui. Eh, hey, ça va le faire, papa. Sérieusement, t'as sauvé Spider-Man, je suis sûr que ça fait de toi un vrai super-héros. Un super-héros? Ouais, ou disons plutôt que je suis un dur à cuire. Viens, chérie. Bienvenue à tous. Avant de donner la parole à Monsieur le maire, j'aimerais vous dire quelques mots. C'est une chance pour notre... Alors ? Je crois que cette guerre des gangs est enfin terminée. Genre, terminée pour de bon ? Je crois. Je veux dire, à part quelques détails qui restent à régler. Des détails ? Eh bien, j'ai vu un camion de la société Consolidated Shipping quitter les lieux. Et il y a quelque chose de pas net. Mais je sais pas quoi. On pourrait aller prendre un café après ça et résoudre cette énigme. Ouais ? Eh bien, merci beaucoup. Je n'aurais pas dit mieux moi-même, mais je vais essayer. Nous savons tous que l'agent Davis est un héros. Mais on pourrait peut-être dîner ensemble au lieu de prendre un café. Je pourrais venir chez toi, je cuisine. Ou alors on pourrait se retrouver dans un lieu parfaitement neutre pour un repas tout à fait normal, cuisiné par des professionnels. Ainsi, pour ces actes d'une bravoure extraordinaire, dépassant de loin l'appel du devoir, j'ai l'immense privilège de remettre à l'agent Jefferson Davis la médaille d'honneur du département. Téléphone, monsieur. Je suis un peu occupé pour l'instant, Jim. Ça semble urgent. Bien. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur le maire. Je dédie cette récompense à ma famille, à ma femme, Rio, et à mon fils, Miles. Sans leur soutien, je ne serais pas là aujourd'hui. Allô? Ça fait des années que j'attends ce moment. Qui est à l'appareil? Dans les jours à venir, votre société, votre ville et tout ce à quoi vous tenez vont disparaître. Les gens vous supplieront de les aider, mais vous ne pourrez rien faire pour les sauver. Écoutez, sombre crétin, des menaces comme celle-là, j'en reçois l'appel. Et si vous veniez me dire en face ce que vous voulez? Vous regardez souffrir. Ou la Spider-Sense. Des gens avec des masques. Ouf. Ah mais j'ai reconnu la voix. Ah, je vois c'est qui. La voix, j'ai reconnu. C'était Martin Lee. Ouais, mais ça paraît sous le sens, en fait. Oh, the fuck. Miles ! Miles ! Tu vas bien ? Non, me dis pas que c'est bien ce que je pensais, que c'est Martin Lee qui a fait ça. Et qui dit qu'il a réglé une urgence personnelle. Miles ! Miles ! Avec moi ! Je suis là, ne me laisse pas ! Oh Dieu merci ! Tu m'entends mon chéri ? Tu m'entends ? Serre par ma main si tu m'entends ! Reste ici ! Je vais aller chercher ton père ! Mais elle est conne. Réponds.
Allez, parle-moi, je t'en prie. On contrôle Miles. What the fuck? What the fuck? Cool, là, il y a Mary Jane. Maman! Qu'on a à suivre. Par là-bas! D'accord, là. Bah ouais, non, mais c'est. C'est trop dangereux. Du coup, on contrôle Miles. Oh non! En même temps, qu'est-ce que tu fais, espèce de guignol? Bon, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est un personnage. Allez. Ça glisse. Allez, un deuxième ou second QTE avec croix. Je l'ai. Maman. Miles. Est-ce que ça va? Ça va, petit. Tu vas bien? Oui. Et toi, est-ce que ça va? Je vais bien. Ça va. T'es sûr que ça va? Oui. Ça va aller. C'est fini. Je m'en sortirai. Mon ange. Bon, écoute. Je dois retrouver papa, d'accord? Non. Miles, papa. Non. Miles, non. Écoute, papa est voilà. Ici. Je vais le trouver. Papa est en vie. Je le sais. Allez hop. C'est juste là. Mais qu'est-ce que... Tu crois aller où comme ça? 5-4, il roule. Par là. Ah, du coup là c'est du... on essaie de s'échapper avec Miles. Non! 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 Pas pour l'instant. Ah merde. L'alerte a été donnée. Non. Du coup, ouais, c'est du. Vraiment, c'est de l'infiltration. Là. Je dois trouver un moyen de les contourner. Pas pour l'instant. Ouais, c'est du fou le. Ouais, en fait, ils ont un. Ils font des rondes en fait. Et du coup, okay. Ouais, il faut que j'attende que l'autre. L'autre, il enlève sa lumière pour que je puisse passer. Ouais, c'est moi, j'ai compris. Bon, allez, enlève ta lumière. Là, je peux pas enlever la lumière tant qu'il a. Je peux pas passer tant qu'il a pas enlevé la lumière. Du coup, j'ai un peu de chance, là. C'est ça, hein? Faut que je passe par où? Ouais... quand même hardcore hein.
Oh putain. Du coup, on va être au... On va se mettre au niveau de Doom. Ouais. C'est compliqué. Je dois l'aider. C'est Gunner. Shooting Utah. C'est vrai, Angel. Tout est normal. Ça me rappelle un jeu. James and Dadian. Yo, Kyla. On va se mettre là, ouais, pour ce temps. Je suis là, papa. Faut éviter que je me fasse repérer, en fait. Ce serait un peu con. Et du coup, si mes doutes ont bon, ce serait Martali qui serait derrière tout ça. Mais quel mongol. C'est pas possible. Non. Ça suffit. Nous devons partir tout de suite. Oh, vas-y. J'en étais sûr. J'avais raison. Papa. Non. Réveille-toi, papa. Réveille-toi, allez. Réveille-toi. Ah ouais. Vraiment triste. Et du coup, ouais, j'avais raison. C'était bien Martin. Pourtant, il avait l'air pas méchant. Hein. Une semaine plus tard. Ça me donne envie de chialer. Non, vraiment. Vraiment, ça me donne vraiment envie de chialer. Je chiale jamais dans les jeux. Mais là, je pense en vrai, c'est la première fois que je vais vraiment chialer dans un jeu. Toutes mes condoléances. Est-ce qu'on se connaît? Je suis Peter Parker. J'étais à l'hôtel de ville quand... Écoute. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais je voulais seulement te dire... Je comprends ta douleur. C'est bien ce que t'allais dire, pas vrai? Ou... La douleur s'estompe avec le temps. Ou ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a un plan pour tous. Je suis désolé, j'essayais seulement de... Seulement de m'aider. Je sais. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment je vais faire avec lui. Ouais, c'est... Bon, vraiment... Vraiment très dur comme épisode. C'est vraiment, genre, vraiment d'en chialer. Trophée obtenu, émergence des démons. Ah ouais. Ah ouais, c'est horrible. C'est horrible, on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là pour cet épisode. Franchement, non. Nouveau supérieur. J'ai aucun réseau. Je dois trouver d'autres tours à activer. Bon niveau, voilà. Chercher des preuves incriminant Martin Lee. Du coup, on est au niveau de... Attends, c'est tout. On est à Harlem. Bon, on est à Harlem. Du coup, il faut aller là.
Spider sous mission annexe. Ok, ouais. Du coup, il y a 4 missions annexes. On va y aller. Ouais, on va aller par là. Je suis désolé, Jeff. Je suis occupé. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez lancé les recherches sur Martin Lee ? Non. Je vous ai dit que je pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spider-Man. Mais puisque je vous dis que c'est votre homme ! Apportez-moi des preuves tangibles et on en reparlera. Des preuves tangibles ? Super. Salut, c'est moi. Salut. Alors, comment tu te sens ? Comme quelqu'un qui a merdé et à cause de qui un gamin a perdu son œil. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire. Et la police ? Ils ont des pistes sur Lee ? Non, ils le cherchent même pas. Même Yuri me croit pas. Alors c'est à nous de le retrouver. J'ai fait quelques recherches. Rends-toi à cette adresse. Martin Lee a acquis une participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière. Oh, mais... Pense que c'est là-bas qu'il se cache ? Possible. On sait qu'il est pas au fist. S'il n'est pas non plus au centre de tri, il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais. Beau travail, MJ. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Oh, une dernière chose. Un inspecteur m'a parlé des démons qui se font interroger. Ils prétendent tous que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif. Tu fais des choses que tu ferais pas d'habitude. Ouais, un peu tiré par les cheveux pour moi. De la part d'un type qui court sur les murs, c'est le comble. Ah ouais, du coup, ouais, c'est bien Martin Lee. Ah, c'est bien. En plus, ça avait l'air d'être un mec super sympa, quoi. Ça avait l'air d'un chouette type, et là... Je suis vraiment dégoûté. Le tuyau d'MJ était juste. Cet endroit grouille de démons. Je dois me débarrasser d'eux. Je ferai du repérage après. Ah ouais. Ouais, j'ai... Ça se trouve bien les Spider-Man, non, ouais. Ok, le compte est bon. Ah, j'ai trop speedrun le truc. Alors, on va, après ça, on va s'arrêter, ouais. Mais franchement, ça devrait être chialé, quoi. Une serrure haute sécurité. C'est plus courant dans les banques que dans les centres de tri. Je pourrais peut-être trouver d'où vient l'alimentation. Voilà, c'est ici. Je devrais pouvoir contourner le circuit. Il me faut mes toiles électriques. Bon, au moins ça marche. Et on dirait que les circuits ont besoin d'un peu plus de jus. Ok, du coup, non, c'est pas ça. Du coup, là, il faut trouver. Voilà. Ça, là, faut trouver, etc. Je dois trouver une boîte de dérivation. Et voilà. Le circuit a l'air encore stable. Il y a peut-être une autre boîte de dérivation dans le coin. Trouver.
On est presque. Encore une, il y a l'autre. Voilà, il y a celle-là. Mais ça aurait été trop simple si. Vraiment très simple. Si. Et voilà. S'il serait au fist. De l'armurerie de Fisk. Après, voilà ça. Les camions piégés, c'est dingue. Ce sont des explosifs du chantier de Fisk. Ah ouais. Pas mal de matos high-tech. Peut-être que je pourrais recycler tout ça pour m'en faire des armes. Ça doit être là qu'il compte frapper. Attends, c'est le bureau de campagne d'Osborne. Ah, en fait, tu veux gagner les élections. Ah, c'est pas une guerre de gang. Les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborne. Salut, t'as trouvé Lee ? Non, mais t'avais raison. Lee utilise cet endroit comme planque pour les démons. Y a des bombes, des armes. Oh, c'est pas vrai. Et on dirait qu'il prépare une autre attaque. Cette fois contre le bureau de campagne du maire. Lee doit avoir une dent contre Norman Osborne. J'ai trouvé une adresse. Je crois que c'est leur base d'opération. Si je me dépêche, je devrais pouvoir les arrêter. Sois prudent. Allez, à consulter le shipping. Bon, on va aller faire ça et après on va vraiment s'arrêter. Yuri, c'est moi. Faites vite, mon chef m'attend pour me passer un savon. Martin Lee et les démons préparent une nouvelle attaque. Cette fois contre le bureau de campagne de Norman Osborne. Vous êtes sûr ? Parce qu'on a eu pas mal de fausses pistes cette semaine. Faites-moi confiance. Je vous envoie l'adresse d'un centre de tri. Vous y trouverez toutes les preuves dont vous aurez besoin. Entendu. Je vais faire évacuer ce bureau de campagne. Mais si je fais ça pour rien, vous aurez mon licenciement sur la conscience. Ah bah hop, on y va. Hop. En plus, on se bat dans. Là, on est au niveau de. Bon, on a passé le Madison Square Garden. Le Madison Square. Là où jouent les New York Knicks. On est plus très loin. Et franchement, Martin Lee, là, franchement, il a beaucoup baissé dans mon estime. En plus je tombe ça assez tard, demain je commence dès 8h, c'est quoi, j'ai pas le temps de... Du coup je sors cette vidéo, genre je vais probablement arriver en retard chez moi. Arriver en retard à mon arrêt. Et mon arrêt il est à l'autre bout de chez moi, c'est vraiment horrible. Et on y est presque, voilà. Voilà. Oh putain, en plus c'est horrible là, ça me donne envie de me moucher. Du coup, on va continuer direct et enchaîner. Consolidated Shipping. Il y a du monde. Faut que j'essaye d'y aller discrètement. Mais aussi voilà. Avec style. On va y jouer à la Splinter Cell. Spinderman, a.k.a. Ou gadget. Ou on a un nouveau gadget. Vous pouvez désormais fabriquer des pièces je de toile. Je peux utiliser ce que j'ai trouvé au centre de tri. Voilà, c'est nice ça. La classe. J'adore utiliser les armes des méchants contre eux. Ça c'est vraiment trop bien. Et ça mes amis, c'est ce qu'on appelle le karma. Ah
En vrai, je peux tenter direct de lui faire une... Ouais, de lui faire ça direct. Je sais pas où on mettre en vrai. Alors. Il est pas là. Je ferais bien de regarder à l'intérieur. Heureusement que j'ai mis un terme à tout ça. Ils auraient pu faire sauter la moitié de Manhattan avec un stock pareil. Facture d'un garage. Bale Horse Rides. Eh bon, c'est fait plaisir, on dirait. Qu'est-ce que je peux bien trouver d'autre? Ah, pas que ça. Bien sûr, l'ordinateur. Non. Oh, nul. Non. Triangle. Ils sont des bases aux quatre coins de la ville. Terminer des bases de démons dans la ville pour gagner des jetons de base. Vous pouvez filtrer n'importe quelle icône de la carte via la page légende active avec triangle. D'accord. Voilà, ok, d'accord. Du coup, il y a une planque de Black Cat. Ok, d'accord. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ok. C'est pire que ce que je pensais. Les démons disposent carrément d'une armée. Ah, pour ça, on va se cacher, on va se barrer. C'est vraiment dégueulasse. Comme si un seul poids mortel suffisait pas. Allez hop, ça dégage. C'est pas à quoi je m'attendais, mais clairement pas à ça. Hé, hey, MJ, je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osborne. Bien joué. Est-ce que t'as trouvé les... Non, mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Pale of Strike. Ça me dit quelque chose. Je vais vérifier, je te tiendrai au courant. Voilà.
J'ai passé l'heure. Non. Ah ouais, non mais il fait mal hein. Ouais, il faut se barrer en vrai. Ah, c'est compliqué, c'est ils sont durs hein. Allez, c'est compliqué, on va j'ai beaucoup rage. Pour l'instant, je vais éviter de rager parce que dans la dernière épisode, on a beaucoup ragé en vrai. Pour un simple QTE vraiment. Hey, MJ, je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osborne. Bien joué. Est-ce que t'as trouvé Lee? Non, mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Pale of Light. Ça me dit quelque chose. Je vais vérifier, je tiens pas au courant. Mal. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Attends. C'est bien. Voilà, merci. Ah, mais ouais, aussi, c'est compliqué ça. Les jeux avant, ils étaient pas durs comme ça. Hein. C'était pas un super hardcore. Oh, nice. On va en trouver. Oh, 2 minutes. Laissez-moi me moucher. C'est horrible. De pas pouvoir se moucher. Et là, je vais avoir une bonne sensation. 2, attention. 3, 2, 1. Waouh! Alors là, j'ai fait une éléphant, mon gars. Poulolo! Allez hop, on retourne à charbon. Eh, hey, MJ! Je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osborne. Bien joué. Est-ce que t'as trouvé? Non, mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Pale of Light. C'est quelque chose. Je vais vérifier, je te tiendrai au courant. Voilà. Ça c'est fait. Nous nous dirigeons vers l'emplacement. En voilà un autre. Paré à tirer. C'est nouveau ça. Non, 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 celui-là est pour moi. Allez. Je vais lui mettre une balle à ce fils. Hé ! C'est pas comme ça qu'on fait ! C'est qui Code SM1. Wow, wow ! Et avant de commencer, on pourrait se présenter. Code SMA. Code SMA. Nous attendons les ordres. Reçu code SMA. Visuel confirmé. Attendez Silverbird. Silver.
sur l'échelle de je me la raconte, c'est 8 sur 10. Ok, 9 sur 10. Relâchez-le. Il est avec nous. Ah. Yori, vous pouvez m'expliquer ? Voici Silver Sablinova. Elle dirige Sable International, une force de sécurité privée. Elle a été engagée par le maire Osborne. Ah, le maire a son armée perso maintenant ? La prochaine fois que vous êtes dans mes pattes, je serai pas aussi gentille. Allez-y. On se voit plus tard. Ils auront pu le dire un peu plus tôt, normalement. Double jeu. On doit aller où? Ouh, on gagne un niveau. J'espère bien. Hey, désolé pour cette histoire avec Sable. J'aurais dû vous en parler plus tôt, mais... Est-ce que j'ai une nouvelle tenue? Tenue isolante. Pardon, excusez-moi. Que je peux mettre une troisième capacité. Non, pas pour l'instant. Arrivez si vite. C'est pas grave, je suis toujours votre meilleur ami. Vous êtes pas mon meilleur ami. Là, vous me faites de la peine. Bref, Sable est dans les petits papiers du maire et a pour ainsi dire carte blanche. Nous avons trouvé de nombreux indices sur l'attentat à l'adresse que vous nous aviez fournie, mais rien qui n'incrimine Martin Lee. J'y travaille. Ouais, du coup, on a toujours pas de quoi. J'ai des infos sur les autres commerces détenus par Martin Lee. Il possède des propriétés partout dans la ville. Ah. Les endroits correspondent à cette carte que j'ai trouvée dans la boîte de transport. J'irai faire un tour. Tu me diras ce que tu trouves dans chaque bâtiment, que je puisse monter un dossier. Ça marche. Je me rends au centre Fist, voir si je peux en apprendre plus sur ses motivations. Et sur ce qu'il a derrière la tête. D'accord. Passe le bonjour à Med, ma part. Attends, tu penses pas qu'elle est en danger quand même? Non. Lee n'a qu'une seule cible en tête. Norman Osborn. Franchement, Martin Lee, il lit pas. Hein. Ici le central de Sable, comment ça se présente à Koreatown? Central, les démons prennent d'assaut le poste de contrôle Zulu. Un nouvel appel manqué de Doc. Peter, je voulais m'assurer que tu étais toujours disponible. Je ne veux pas... Allez hop, désolé, je te coupe la parole, Otto, mais... Ah, c'est bon, je dois faire des trucs, hein. Beaucoup plus important qu'elle... que ça, en fait. Pardonnez-moi, excusez-moi si je baille un peu. Peter, si tu gères cet endroit pendant que Monsieur Lee est absent, qui s'occupe de ton ancien travail? Moi. Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue. Tu connais quelqu'un? Oui, ça se pourrait bien. Il s'appelle Miles Morales. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand... Ah. Je lui ai parlé le jour de l'enterrement. C'est quelqu'un de bien, mais il traverse un moment difficile. J'ai connu un jeune homme comme ça, autrefois. Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de faire des choses. Ça pourrait l'aider aussi. Voilà le numéro de sa mère. Merci. Je lui passerai un coup de fil. Et t'as pas eu de nouvelles de Monsieur Lee? Non. Pourquoi? Pour savoir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Oh, tu n'es pas obligé. Je sais. Mais j'ai envie. Oh là là. Voilà. Je devrais vérifier le bureau de Lee. Entrer dans le bureau de Monsieur de Lee. C'est bizarre, c'est des... Pete, toujours des... Je suis content que tu ailles bien. Ouais, je m'accroche. Son bureau est fermé à clé. Comment je fais pour rentrer? Bah, tu défonces la porte. Je me sens plus en sécurité maintenant. Pas pour risquer de faire ça. Bon, mais non. J'avais encore jamais vu cette pièce. Oh, voilà, vas-y, on va aller visiter. On va visiter en vrai. Ah non, on peut pas.
Wow, c'est quoi ça? Une ligne de tension? Pourquoi autant d'électricité? Je comprends, mais le numéro de compte se trouve dans le bureau de Monsieur Lee et il est... Mais hop! Comment rentrer dans... Qui est-ce que j'ai aperçu plus tôt? Elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel. Et hop! Le journal de Lee? Hop, on prend la clé. Et on une va clé. Aller. Je me demande ce qu'elle ouvre. Octobre 2018. Wilson Fix a été arrêté. J'ai du mal à y croire. Le jour dont je rêvais est enfin arrivé. Mais j'ai encore des doutes. Est-ce que je pourrais vraiment aller jusqu'au bout? Lee a l'air déchiré. Tout ira. Dû agir malgré lui. Tout ira si vite quand j'aurai donné l'ordre. Mes hommes récupéreront les armes de Fix et exploiteront ses secrets. Avec cette force, nous pourrons montrer à Norman le vrai visage de la souffrance. Il souffrira en voyant tout ce qu'il aime détruit de ses propres mains. Mais je vais devoir abandonner. Tant de choses ici pour pas venir. Tout ce que j'écris ici avec le fist. Tout le bien que j'ai fait pourrait être très très facile si mon plan réussit. J'ai enfin une chance, mais j'hésite. Devrais-je faire machine arrière? Une partie de moi le voudrait, mais le démon a soif et je ne pense pas le retenir. D'accord. Il y a quoi d'autre? Il manque la photo sur l'hôtel. Examiner. Nier. Cher May, vous allez bientôt entendre. Direct ce message est pour May. Vous allez bientôt entendre de nombreuses histoires à mon sujet. On va dire de moi que je suis un terroriste et un assassin. Et ces histoires, c'est vrai. Mais l'histoire du fils est autant notre histoire. J'ai toujours cru en notre mission. Ce n'était pas une façade ou un faux semblant, mais quelque chose de sincère. Sauver une personne, c'est vraiment sauver le monde. Ne laissez pas mes échecs remettent en question ce que nous avons construit. Vous êtes forte, mais assez forte pour écrire une nouvelle passe du fist sans moi et mes erreurs. Merci pour tout, Martin. Oh. Ah, voilà. Une sorte de serrure à énigme. Voilà. C'est un cassette très compliqué en fait. Et du coup en fait il faut que ça. Ça m'a l'air bon. C'est un truc comme ça en vrai. Ah mais en fait ça bouge le truc, d'accord. Et du coup... C'est quoi ça?
Ah là, je sais pas, je bloque. J'ai regardé la solution sur internet. Je le fais vraiment jamais. Mais en vrai, là, je pense, j'en ai beaucoup besoin. Du coup, c'est Spider-Man. 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 On va regarder. Spider-Man 4 sur Solus. En plus, il va sortir sur PS5. Hop. Je vous conseille vraiment pour ceux qui bug sur des jeux, vraiment utiliser Super Solus. C'est chiant ça. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ah, en fait, le... Ah, d'accord. Du coup, en fait, c'est... Hop. On va prendre celui-là. Ça formerait le yin et le yang. Ça tombe sous le sens en vrai. Du coup, c'est ça, et là, faudra peut-être. Du coup, j'ai compris, mais du coup, attends. Ah, du coup, en fait, c'est ça qu'il faut servir. En fait, que du rouge en fait. Faut que j'essaie que de me servir du mécanisme noir. Et franchement, le montage de cette vidéo risque, de cet épisode risque d'être très fun. Ah mais en fait non. Ah mais ça veut pas le bouger en fait. Non, c'est que le noir. En plus, il y a encore un autre truc caché. Du coup, attends. Oh, c'était pas compliqué en fait. Transmet ses pouvoirs aux autres. Comment fait Lee pour les imprégner de son pouvoir? Induction bioélectrique? Déphasage par compression? Je sens mon pouvoir qui augmente, nourri par ma cote. C'est flippant. Ouais, il faut écouter un bon son, pardon. Je sens mon pouvoir qui augmente, nourri par ma colère. Mon père dirait que je m'écarte de la voie de l'équilibre, mais il n'a jamais compris. La seule façon de combattre un monstre, c'est d'en devenir un. Ouais, bah, pouf.
dossier qu'Amiji a trouvé à la salle d'enchères. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee. Et paf. Ah, bien sûr. Piège. C'est une chambre de combustion pour détruire l'épreuve. Encore une. Faut se barrer en fait. Et bien évidemment, par la trappe. Mais j'ose même pas imaginer ce qui serait passé. Ok, par cette grille au sol. Du coup, tu veux faire comment ? Sortir de bon, ma chambre secrète. Comment je sors de là? Bah par l'aération, espèce de petit con. Non. Bonjour Peter. Oh putain. Monsieur Lee? Je croyais que vous étiez parti. Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Martha, vous êtes là. Je vais prendre ça. Merci. Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre quelques affaires. Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il a eu beaucoup de chance. À un meeting d'Osborne ? Je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin... Tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien, tous les deux. Exact. Quel menteur. Les terroristes courent toujours. Qui sait ce qu'ils feront ensuite? Oh, je ne crois pas que May et toi y aient quoi que ce soit à craindre. Tant que vous ne vous aventurez pas là, vous n'avez rien à faire. Bon. Je dois y aller. Vous revenez quand? Dès que j'aurai terminé. Dès que j'aurai terminé, c'est-à-dire que dès que tu seras derrière les barres, mon coco. Oups. I. A. Ah. Oh, c'est pas grave. Bon, bon, on va vraiment s'arrêter là. Il est... À l'heure où je vous tourne, il est 23h. Enfin, il est 22h59. Franchement, là, je vais vraiment partir à me coucher. J'espère que c'est pas terminé, parce qu'en vrai, je suis super hypé. Allez, cinématique. Ah, t'es mort, là. Non, non, non! Quel fils de pute. Ah, pendant ce temps-là, il a eu le temps de se barrer. Quel fils de pute. Alors, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Descente secret terminé. 30 000 XP obtenu. Niveau supérieur, niveau 14, niveau 15. C'est ce balancement, plus 5%. Un point de compétence, ça nous fait 3 points de compétence. Et. Capitaine Watanabe? J'ai enfin les preuves qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver? Une dame adorable appelée May Parker. Et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de Lee. Mais écoutez ça, il a prévu une nouvelle attaque. Où ça? Et quand? J'en sais rien, mais il va se servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Qu'est-ce que c'est? Une substance créée par Oscorp.
Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie dès que possible. Ok, on fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Bon. Salut MJ. Je vais aux nouvelles. Peter, est-ce que je peux te rappeler ? Écoute, ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes ? C'est juste que je suis un peu occupée là. On fait le point autour d'un dîner chez moi. Pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super, à toutes. Attends, tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher ? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais ? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Shocker travaillait bien pour Lee. Ah, alors tout est lié. Et c'est pas tout ! Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner ? Ouais, à plus. Bon, bah, cette fois-ci, on va vraiment... Alors, qu'est-ce que je vais préparer ? Bon, bah, on va s'arrêter là pour ce 9e épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, car moi, franchement, je pense que c'est un des pires épisodes que j'ai passé. Oh, bonjour, docteur. Comment ça va ? Peter, excellente nouvelle. Bien vite au laboratoire. Vous allez arrêter maintenant ? Mon coup de c'est le moment décisif. Ah, j'ai hâte de te montrer ça. Super, mais j'ai un dîner prévu. Je peux passer un peu plus tard ? Ton dîner attendra. Il faut que tu vois ça, Peter. D'accord. J'arrive tout de suite. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour... Si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un tour. Juste quelques minutes. Bon, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, car... Vous arrêtez de me couper la parole ? Touchdown, terminé. Et bon. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Non mais tu vas te taire. Tu vas te taire toi de coup, c'est dans l'audio. Est-ce qu'il y a le... Non. Tu es un jour de deuil. On se recueille et on rend hommage aux héros disparus comme Jefferson Davis. Mais c'est aussi aujourd'hui qu'il faut clamer plus jamais ça. Ça s'arrête maintenant. Certains affirment que je mets tout sur le dos de Spider-Man. Alors non, je ne l'accuse pas pour l'explosion. Cet acte est celui d'un être lâche et immonde qui en est le seul responsable. Mais si nous voulons continuer à protéger New York, nous ne pouvons plus tolérer l'anarchie dont Spider-Man et son engeance font la promotion. Ceci est notre ville. Et nom de nom, nous allons la reprendre. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Du coup, j'espère qu'il vous aura plu. Je me fais beaucoup couper la parole, c'est vrai. Mais du coup, on va se retrouver, j'espère, très bientôt pour un prochain épisode. En tout cas, je vous laisse à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la cloche, c'est très important pour recevoir les notifications. Et surtout, de me suivre sur les réseaux sociaux qui sont, comme d'habitude, dans la description. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur pour vous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée ou une très bonne fin de journée. Peu importe où tu, à l'heure où tu regardes cette vidéo, je te souhaite le meilleur. C'est ton Ganab et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.